un petit matin quelque part en Sologne. Autour de la ferme, la brume et la fraîcheur de l'air annoncent déjà l'hiver. Sur ces terres, M. Dugarin élève de petits troupeaux de vaches, de moutons et de chèvres, quelques ânes et des chevaux. Il dit à qui veut l'entendre que jamais il ne se résoudra à élever des animaux ni en batterie, ni en écurie, ni en laiterie, ni en Dieu sait quelle usine. Et il ajoute, chez moi, c'est la nature qui fixe le calendrier. Chez les Dugarin, on sait depuis toujours que l'automne est la saison des amours caprines. En octobre, les chèvres sont encore plus nerveuses que nature. Le fermier observe les manœuvres du bouc et se met à espérer des chevreaux pour le printemps. Le bouc déploie sa cour de chamoisée en blanchette jusqu'à ce qu'une fiancée se révèle en répondant à ses tendresses. Comme il en a coutume, il l'emmène à l'écart pour mieux se faire comprendre. Comme tout bouc qui se respecte, celui-ci ne résiste pas aux bourrades amoureuses. Et pour marquer ses intentions, il pratique aussi bien le touche-pipi que le frotte-museau. Ça devrait marcher. Par ses hommages, le bouc signale qu'il a détecté les chaleurs de sa favorite. Il n'a que 30 heures pour en profiter. C'est dans un élevage industriel que M. Dugarin a acheté ses trois cochons, deux truies et un jeune verrat. Les pauvres bêtes n'avaient connu que leur casemate. À leur arrivée à la ferme, elles avaient peur de sortir et paniquaient à la seule vue de l'herbe. Mais peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif. Les chevaux comtois, aristocrates des prairies, viennent examiner les nouveaux habitants des enclos. C'est un sentimental, le cochon insensible, se dit M. Dugarin. C'est décidément pas un brutal et un mal tenu, comme on croit dans les villes. Les jours ont passé. Ce matin, au réveil, M. Dugarin sentit dans l'air l'odeur particulière de la neige sur l'herbe. De sa fenêtre, il admire ces comtois qui arpentent leur territoire au fil de leurs parades amoureuses. Et dire, pense M. Dugarin, que Louis XIV leur faisait tirer ses canons et que Napoléon lui-même serait allé en Franche-Comté pour en enrôler dans sa cavalerie.
Les Comtois auraient donc fait la campagne de Russie. C'est à un éleveur du Cantal que M. Dugarin a acheté ses salerces. Rustiques, courageuses, elles ne craignent pas de passer l'hiver dehors. Elles donneront sans faillir leurs 3000 kilos de lait par an aux veaux qui grandiront sous elles, et ainsi une viande dont la ferme s'honore. Le jeune employé du domaine, lui, a fait amitié avec les cochons. Il sait y faire quand c'est l'heure de la soupe, c'est lui qu'ils attendent. Mais le jeune homme n'a pas encore pris la mesure du talent gourmand des cochons. En principe, les truies sont séparées du vérin qui risquerait de fatiguer son cœur délicat ou de se faire violemment rembarrer. Mais aucune barrière ne tient quand l'heure des amours a sonné. Pour faire son devoir, il faut bien prendre des forces, non ? Une fois que la truie a manifesté sa bonne volonté, le vérin débutant a encore à faire, et en particulier à maîtriser le sens de l'orientation. Dans 3 mois, 3 semaines et 3 jours, des petits cochons viendront. Enfin, en principe. Tout près, dans les prairies qu'ils partagent avec les bovins, les moutons jouent paisiblement leur rôle de tondeuse vivante. Une bergerie faite de quelques planches et d'un toit suffit à leurs minces besoins. Les chères têtes brunes font partie du paysage depuis des siècles. Ces traces de moutons très anciennes en a pris le nom de Solonia. Les agneaux suivent leur mère dans leur vie de plein air et apprennent à communiquer avec le troupeau dans la langue des bêlements. Ces premiers-nés de la ferme annoncent que l'hiver va finir. Le printemps est venu tout d'un coup, tout en pousses tendres et en fleurs de pommiers. Enfin, les premières douceurs pour le modeste régime des moutons et des ânes, qui se contentent des végétaux coriaces que vaches et chevaux négligent. Tiens, les lièvres sont de retour chez moi, constate M. Dugarin. À quelques pas du monde sauvage, dans l'herbe qui s'adoucit, les jeux de museau des vaches confirment les liens et hiérarchie du troupeau.
Les vaches partagent les eaux de l'étang avec les animaux de la forêt. Elles s'y rendent toujours en groupe sous la conduite de la dominante. Dans cette ferme, le taureau fait sa course en contrainte. Le fermier respecte ses inclinations. Ses descendants naissent tout au long du printemps sans qu'aucune reproduction programmée vienne bousculer la petite société bovine. Monsieur Dugarin abandonne les salaires à leurs problèmes de coiffure, car d'heureux événements l'attendent d'ailleurs. Dans la cabane des chèvres, il a pris soin de vérifier que la litière est propre et bien épaisse, et qu'il fait assez chaud, sans humidité ni courant d'air. Il y a une heure à peine est né un cabri noir et blanc. Malgré la désinvolture des chevreaux adolescents, la blanchette s'est recouchée pour mettre bas un deuxième petit. Comme tous les chevreaux nouveau-nés, celui-ci peine à se mettre debout. Le premier instinct de la chèvre est de sécher le petit à grands coups de langue. Il sera bien le sien. Monsieur Dugarin connaît bien les coutumes de ces chèvres. Comme chez de nombreux animaux sauvages, manger les délivres est une pratique fréquente à la mise bas. Dans 3 semaines, le chevreau aura appris à ruminer. Dans 8 semaines, il saura manger comme il faut le foin du râtelier. Le fermier attendra que la blanchette sèvre elle-même son petit d'ici 6 mois avant de repenser à ses fromages. Il faut veiller discrètement à ce que le chevreau trouve le plus vite possible le chemin des mamelles. Il doit téter dans les 4 heures le premier lait, le colostrum, riche en vitamines, qui protège les nouveau-nés des microbes. Ce début de printemps encore frisqué, les cochons ont déjà réappris à labourer leur enclos en quête de racines et de vers.
Les moutons, comme toujours, se rassemblent en boules compactes et solidaires, serrées autour des agneaux. Rares sont les animaux à supporter aussi stoïquement l'attente des jours meilleurs. Enfin le joli mai, l'herbe s'est faite plus grasse et plus douce au goût délicat des vaches. Mais ce matin, c'est sa jument que M. Dugarin va discrètement visiter. Suivant son instinct sauvage, elle s'est isolée à l'écart de tout et hors de la vue de l'étalon pour mettre bas son poulain de l'année. Pour la délivrance, la jument a coutume de se coucher. Et pour que tout se passe bien, il faut que le petit se présente patte avant d'abord, tête posée sur les antérieures. Les juments connaissent des grossesses difficiles et toute mise bas est à risque. Celle-ci a eu plus de chance que sa collègue. Le poulain va bien, son instinct le pousse à tenter immédiatement de se mettre debout. La comtoise renifle son poulain et l'encourage. C'est par l'exemple qu'elle l'entraîne à coordonner ses pattes encore fragiles. La comtoise doit à présent guider son poulain vers les mamelles pour que lui aussi tète le premier lait avant de passer au nettoyage. Ensuite, il sera l'heure de la leçon du trot. Comme tous les chevaux, la comtoise sait que le salut est dans la course. Enfin, c'est facile à dire. Distrait par les premiers pas du poulain, M. Dugarin n'a pas remarqué qu'une des vaches manquait au troupeau. Une salaire sans travail s'est isolée et réfugiée en bordure de forêt. Et qui dit isolement, dit naissance.
la vache cache son petit à l'écart du troupeau pendant quelques jours. Le temps de nouer tranquillement le premier lien, un coup de langue et de mufle, et de faire reconnaître sa voix dans de doux mugissements d'appel. La première tétée du veau déclenche la fin de la délivrance. Quand le taureau vient inspecter le nouveau-né, il n'est pas précisément le bienvenu. Chez les pacifiques bovins, les bousculades cornues disent quelque chose des anciens combats sauvages. La vache flaire longuement son veau et le lèche vigoureusement comme si elle l'apprenait par cœur, pour toujours. Elle le défendra de tout ce qui lui paraîtra dangereux et elle le rappellera à l'ordre en grognant s'il s'éloigne. Les autres vaches viennent rendre visite aux petits nouveaux et apprennent à l'identifier. Les vaches pratiquent la crèche collective tout en rechignant quand même à l'adoption. Comme le chevreau et le poulain, le veau a tété le premier lait. Et la mère, comme ses cousins sauvages, mangent les délivres. Ce sera la seule entorse de son existence à son régime végétarien. Si les habitants du monde sauvage ne jettent sur la ferme que des regards distraits, M. Dugarin, lui, cherche partout une de ses truies. Toute la nuit, il l'a entendu farfouiller dans les taillis avec grand bruit de branches cassées et force grondement. Elle est là, dans le nid qu'elle a aménagé au pied d'une haie retirée. Et eux, ils sont déjà trois. Et ce n'est pas fini, car la truie a 14 tétines. Le fermier surveille les opérations avec une certaine inquiétude, car il sait à quel point des années de sélection ont rendu les cochons fragiles et réduit à peu de choses l'héritage de leurs vigoureux ancêtres sangliers. Petit Goret s'attribue les mamelles, chacun une, l'enjeu étant de la conserver le plus longtemps possible. Et le plus exclusivement possible, vu que des frères et sœurs, il en vient sans arrêt. «
chaque nouveau-né explore le corps de sa mère, du dos jusqu'au groin, et se fait reconnaître en flairant et en tâtonnant. Ensuite, il part courageusement revendiquer sa place aux mamelles. Couinement, jappement et cri aigu, grondement doux et rassurant. La mère et les petits échangent les premiers codes du langage cochon. En une heure à peine, ils sont passés de 1 à 13. Ça porte bonheur. M. Dugarin pense au triste destin détruit, industrialisé, volé de leur instinct. Et aussi aux hommes qui coupent les queues des gorets pour rationaliser leur batterie. Un dernier coup d'œil au progrès du poulain. Il semble maîtriser assez son jeu de pattes pour imiter sa mère. Pendant 6 mois, elle le nourrira de son lait. Et chaque jour, il apprendra auprès d'elle le code des caresses et des mordillements qui marquent l'amitié chez les chevaux. Indifférent aux faucons cresserelles qui guettent ses proies au-dessus des prairies, les moutons profitent d'un rayon de soleil. Le fermier, lui, prépare l'inspection hebdomadaire de leurs pattes pour éviter le redoutable piétin, la maladie de l'herbe humide qui ronge les pieds des moutons et des chèvres. À cette époque de l'année, la mue naturelle dépouille les moutons de leur kilo et demi de laine, comme on ôte un pullover devenu trop chaud. Chez les chèvres, nettement moins bonasses, le plein air ravive un caractère belliqueux, prompt à contester l'autorité de la dominante et la hiérarchie établie. C'est à ça, après tout, que servent les cornes. En lisière de sous-bois, le baudet a bien du malheur. Il doit faire face au tempérament jaloux des ânesses pour approcher celles dont les mastications et les oreilles couchées indiquent les bonnes dispositions. Il est à parier que dans un an, un nouvel ânon se joindra à la troupe. Encore que sous ses airs de bon bougre pas très malin, l'âne, comme les fauves, est capable d'éliminer un descendant pour répondre aux chaleurs des ânesses. La bergeronnette est moins curieuse que la pigrièche des ébats des autres. Elle a bâti son nid sous le toit de la soue pour mieux profiter des restes de la famille cochon.
tandis que les porcelets font la sieste, la bergeronnette s'affaire autour de la mare, graines et insectes en quantité pour une nichée exigeante. Le temps presse, le ciel s'obscurcit. Monsieur Dugarin, qui profite de l'orage pour réparer des outils, remarque de loin qu'une des salerces, bravant le mauvais temps, s'est écartée pour véler. C'est la dernière du troupeau à mettre bas. Le cycle des naissances se termine. L'orage passé, le jeune employé s'en va nourrir la volaille. Et voilà, il a encore laissé la porte ouverte. Les porcelets en liberté, c'est la preuve que rien ne vaut le plein air pour se faire de beaux jambons, mais c'est un peu déplaisant pour la volaille. Et c'est carrément insupportable pour les nerfs des chèvres. Seul à pouvoir assurer un certain retour à l'ordre dans ce cirque infernal, c'est la truie. Cette année, l'été est particulièrement chaud, le soleil tiédit les eaux de l'étang au Héron et grille les hautes herbes. Entre les murs épais de la ferme, une ombre fraîche invite les hommes au sommeil, mais dehors, des tourbillons d'insectes tourmentent les animaux. Larges oreilles et longues queues s'agitent sans relâche. Les animaux cherchent le repos dans leur coin de prédilection que le fermier repère au sentier tracé par leurs sabots et ils aiment à retrouver toujours les mêmes voisins. Voisins tout particulièrement bienvenus, les étourneaux. Fidèles alliés des grands animaux domestiques, ils picorent dans l'herbe les dangereuses larves de thon et chassent mouches et moucherons sur le cuir des bêtes. Contre la chaleur, les ânes pratiquent la sieste à l'ombre de leur arbre préféré. Et contre les parasites, le bain de poussière dans la clairière qu'ils ont coutume d'aménager sur une hauteur. Pas de doute, ça soulage.
Du côté des cochons, l'été est une saison pleine de dangers. Les malheureuses bêtes sont dotées de glandes sudoripares peu efficaces. Coup de soleil et coup d'eau chaud pourraient être fatales aux organismes fragiles des cochons, grands et petits. Une seule solution, se rouler doucement dans l'eau de la bouge avant de retourner à l'aventure. Les cochons savent d'instinct qu'au bain de boue, il faut savoir ajouter du repos. Beaucoup de repos. Entre deux bagarres pour rire et trois gratouilles antiparasites, c'est la tétée. La tétée se doit d'être régulière et goulue, au risque de se faire écraser si on n'est pas abonné à la bonne rangée de mamelles. Chez les cochons, les scènes de maternité ont toujours un faux air de mêlée de rugby. Monsieur Dugarin, lui aussi, a trop chaud. Il rejoint les chevaux et les ânes qui vont chercher la fraîcheur du sous-bois. Les ânes se grattent au tronc des arbres et les marquent de leur odeur. Signal de reconnaissance que complètent l'échage et pouillage entre copines. Le baudet, lui, drague les filles avec sa nonchalance habituelle, mais avec une belle énergie dans les décibels, il peut annoncer ses succès à 15 km à la ronde. Chevreuils et chevrettes parcourent les friches sans encombre au fil de leur sentier sauvage.
au fond de la prairie des vaches, un massif de ranciers à faire frémir le jardinier le moins maniaque. Mais M. Dugarin le laisse prospérer exprès. Chaque fin d'été, il en ramasse les murs pour ses confitures. Et il offre de plus un refuge parfait à des oiseaux qui se font rares. Des couples de pigrièches ont bâti leur nid à l'abri des piquants. Les parents se relaient en une incessante noria de ravitaillement pour leurs oisillons encore aveugles. Le soir tombe enfin et la douceur de l'air incite à la promenade. Dans cette ferme-là, rien ne s'oppose aux relations de voisinage que les animaux se sont créées. Le coq fait donc une visite au cabanon des chèvres. Une visite intéressée. Pour une fois, les mauvaises coucheuses de la ferme n'attaquent pas. C'est l'heure de la pyracelle qui fait merveille pour la croissance et les os. Le coq a sonné l'alarme. Monsieur Dugarin voit sortir de la forêt un voisin aux allures de peluche animée qu'il connaît bien. Maître Blaireau. Blaireau semble avoir décidé de mettre la dent à autre chose que les vers de terre qui font son ordinaire. Il se faufile partout, parfois contraint à la tactique du profil bas. Les plus impressionnables, la provocation marche toujours. La nuit venue, le blaireau décide d'en finir. Au menu, un plat de viande. Comme le temps a filé, pense M. Dugarin. Les matins fraîchissent, l'automne avance, l'herbe se fait moins grasse, la verdure moins tendre. Le poulain a drôlement grandi.
Il est temps pour le fermier d'entamer une tournée de fourrage de complément et de faire les premiers comptes de l'année qui finit. Bic et Chevreau font des démonstrations de leur proverbiale agilité. Le petit troupeau de grosses mangeuses ratisse les avant-dernières feuilles. Les petits cochons sont désormais trop grands pour téter. Bientôt, ils devront aller vers le destin qui les attend. Dans les villes. Ils profitent dans l'insouciance de la dernière baignade de la saison. Et c'est toujours la truie qui montre l'exemple. Cette fin de saison, le taureau, lui, se croit obligé de réaffirmer ses prérogatives territoriales. Mais l'âne sait se montrer ferme et diplomate pour défendre la troupe timide de ses ânesses. L'unanimité s'impose. Le taureau à Louis Fine, le ravitaillement d'automne est livré à domicile. Voilà, pense M. Dugarin, on se donne du mal pour leur livrer le casse-croûte et ils se prennent pour des orques. Le fermier s'est fait livrer les céréales qu'il distribuera quand les pâturages ne suffiront plus. Il suffit d'une minute d'inattention pour que les chèvres se livrent encore à un raid organisé. Le fermier se précipite à la rescousse avant qu'elle ne s'étouffe. Le soleil du matin est bien pâle, constate M. Dugarin. L'hiver n'est plus très loin. Déjà les hirondelles se rassemblent pour leur migration. Leur monde est-il si loin de celui des animaux de la ferme ? Peut-être suffit-il de laisser les animaux vivre comme la nature le commande pour côtoyer chaque jour le monde sauvage.